ça nous vient du Sud-Loire, ça nous vient de la Vendée. C'est tout près d'un centre que vous connaissez bien qui s'appelle Luçon. Alka du Taber, c'est le nom d'un petit pouliche. Le village Emmanuel Régnier, c'est Luçon. Allez, on va résumer. C'est né le 28 avril. On va marcher. On va marcher, monsieur. On va marcher. Marcher. Et allez-y. La mère Ascas, du grand trésor, qui aussi était au haras du Lion, à l'époque des haras nationaux. Et c'est une souche bretonne, puisque vous y retrouvez derrière Questel, qui est une souche qui a produit le très très bon Nivit. Okay, vous pouvez revenir. Qui en son temps, rappelez-vous, dans les années 2000, a gagné. Vous pouvez revenir, revenez. Et qui s'est illustré en classique, puisqu'il a gagné l'important Renault de Vivi à Pau lors du meeting, mais l'important quand même, une listade. Et ensuite, si on remonte un tout petit peu plus haut à la deuxième paire, vous aviez Chabois, qui était une exceptionnelle jument de plat, puisqu'elle avait gagné le prix de la Rousse-Pierre au Lion. Et ensuite, terminé troisième du Glorieuse. On va trotter, vous la lâchez, on va trotter. Classique pour nous maintenant. Alors vous longez la barrière, faites le tour, en longeant les barrières. Allez-y. Sur les obstacles, je rappelle, une fille de Balco, sur une mer Nazca par grand trésor, donc sur une mer gagnante, 5 fois en obstacle, n'oubliez pas. Mais cette Nazca avait quelque chose de particulier, puisqu'elle est gagnante classique, elle est gagnante Easton, le grand style d'Angers. Le grand style d'Angers, donc devant vous, vous avez la première jument Black Type.